Bonjour, je m'appelle Béatrix Payot, je suis consacrée dans le célibat au sein de la communauté de l'Emmanuel et gériatre de profession en activité. Et on m'a demandé de vous parler de la retraite, du passage à la retraite. Certains s'engagent très vite dans toutes sortes d'activités, n'ont pas pris le temps de se poser. Et puis quelquefois, après, se retrouve au bout d'un certain nombre d'années à avoir l'impression d'être passé un peu à côté de certaines choses. Le moment du passage à la retraite, ça va être un moment important pour essayer de faire le point et commencer par une relecture de ce qui a été vécu jusque-là. Et évidemment, si on le fait sous le regard de Dieu, ça va nous aider à élargir notre regard, ça va nous aider aussi à déposer dans la miséricorde de Dieu ce qui a pu être difficile. On va se rendre compte qu'il y a finalement dans notre vie passée plein de choses merveilleuses qui ont été vécues et ça donne envie de dire merci. On va se rendre compte qu'on a passé par des moments difficiles parfois et puis finalement que pour un certain nombre de ces moments difficiles, il y a un chemin de vie qui s'est fait. Et puis, il peut y avoir encore des paquets, on peut dire, des choses qui sont vraiment difficiles à vivre et où on ne sait pas trop comment s'y prendre, etc. Et c'est vraiment un moment où c'est important d'aller trouver le bon Dieu et de lui déposer un peu tout ça et de lui confier un peu ces épreuves qui restent pour pouvoir aussi lui déposer là où on sent qu'on n'a pas été ce qu'on aurait dû être, déposer dans sa miséricorde, découvrir cet amour infini de Dieu. Et pour pouvoir, à ce moment-là, en ayant un peu fait le point sur tous ces sujets-là, investir l'avenir. Et donc se dire, mais finalement, pourquoi je suis fait maintenant? Quel est mon appel? Quelle est ma vocation? Qu'est-ce que je peux vivre? Parfois, on commence à vivre vraiment à partir du troisième âge. Parce que, prenons l'exemple de Moïse. Moïse, pendant 40 ans, il a été élevé dans la sagesse égyptienne, à la cour de Pharaon, on va dire une sagesse un peu profane, etc. Et puis les 40 années suivantes, il va fuir au désert, après avoir un peu découvert le Dieu des Hébreux, de son peuple originel, et qu'il découvre, il part dans le désert, il devient, finalement, une vie très cachée, il devient pasteur de brebis, etc., jusqu'au jour de la rencontre avec Dieu, du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, dans le buisson ardent, Dieu qui révèle son nom et qui lui donne une mission vis-à-vis de son peuple. Et au buisson ardent, Moïse, il a déjà 80 ans, on ne réalise pas, mais il est déjà d'un certain âge. Et ensuite, il va être 40 ans dans le désert à faire traverser le peuple avec une mission très publique, finalement. Et il va se retrouver à 120 ans aux portes de la terre promise. Et on nous dit qu'il n'avait rien perdu de sa vigueur, qu'il avait l'œil vif. Finalement, c'est un modèle du bien vieillir. Moïse, finalement, quelque part, il s'est révélé. Et le Seigneur s'est servi de lui d'une manière particulière alors qu'il avait un certain âge. Et en fait, on se rend compte pour un certain nombre de personnes que c'est un peu ça. Un Pierre Goursat, fondateur de la communauté de l'Emmanuel, c'est plutôt sur la dernière partie de sa vie qui va porter tout son fruit. Voyez. Et donc, il nous faut être vigilants parce qu'il y a des appels de l'Esprit qui peuvent faire qu'on est appelé à une mission d'importance à ce moment-là de notre vie. Il y a eu un congrès à Rome en janvier 2020, organisé par le Dicastère pour les laïcs, familles et vie, sur le thème de la richesse des années. C'est la première fois qu'il y avait un congrès pastoral sur le sens de l'avancée en âge. Et ce qui est très touchant dans la Bible, c'est qu'on voit combien Dieu parle aux personnes âgées. Abraham avait 75 ans quand le Seigneur l'a appelé à quitter son pays, sa parenté, pour aller dans un pays qui lui montrerait. Moïse avait 80 ans au moment du buisson ardent et où il a été appelé à emmener le peuple hors d'Égypte pour l'amener vers la terre promise après avoir fait alliance dans le désert, etc. Il y a eu un discours du pape magnifique à ce sujet-là. Vraiment, ça vaut le coup d'aller le lire. Il date du 31 janvier 2020. Et le pape dit, le nombre de personnes âgées augmente,
beaucoup parmi elles d'ailleurs ont été baptisées mais ont perdu la foi. Donc il y a un enjeu à réévangéliser ces personnes, non seulement pour le salut de leur âme, mais aussi parce qu'elles sont des courroies de transmission de la foi à leurs petits-enfants. Et quelquefois, on a du mal à rejoindre les jeunes aujourd'hui pour leur parler de Dieu, mais les grands-parents, eux, ils sont des témoins privilégiés de la foi auprès de leurs petits-enfants. C'est plus ou moins facile, mais bien souvent, on a des témoignages de jeunes qui disent « c'est grâce à ma grand-mère qui avait une statue de Notre-Dame de Lourdes qui est fluorescente que je me suis intéressée à la foi ». Et je me dis « ça m'a intriguée, j'ai voulu en savoir davantage et donc c'est comme ça que je me suis mise en route ». Il ne suffit de pas grand-chose quelquefois. Voilà. Et donc, c'est certain qu'en tant que grands-parents ou arrière-grands-parents, on peut être des témoins auprès des plus jeunes de ce que Dieu est présent dans notre vie, dans les joies comme dans les peines. Il y a une expérience de la vie. Les personnes âgées ont des charismes propres. Alors, ils ont un charisme notamment de gratuité, de disponibilité. Ils ont moins de choses à faire, mais alors, du coup, ils ont du temps. Quand ils accueillent leurs petits-enfants, ils sont tellement heureux, ils sont tout à l'écoute et tout à la disponibilité. Et souvent, les petits-enfants, ils partagent des choses que les grands, qu'ils n'ont jamais dit à leurs parents, des choses très importantes. Il y a un cœur à cœur qui se fait et qui font que plein de choses se transmettent dans l'ordre de l'humain et dans l'ordre spirituel. Et puis, ils ont une expérience de la vie, ils ont une mémoire des événements, ils ont une certaine sagesse de la vie. Et dans un monde où on a du mal à accepter, par exemple, des frustrations, eh ben, ils peuvent faire comprendre à la fois que voilà, il y a des moments dans la vie, c'est plus difficile, mais il ne faut pas se décourager, qu'en son temps, des chemins s'ouvrent et on peut retrouver de l'espérance. Et là, ils sont des témoins privilégiés. Moi, je me souviens de ma grand-mère qui a vécu des moments difficiles à la fin de sa vie, mais qui ne perdait pas la foi et qui restait attentive aux autres et qui était toute accueil, tendresse, ouverture aux autres. Elle cherchait à aider, même alors qu'elle était très handicapée, qu'elle avait des problèmes de mémoire, etc. Elle cherchait à s'ouvrir aux autres. Et en fait, elle reste comme un phare, comme une lumière que la vie continue de valoir le coup d'être vécue, même dans ces situations-là. Et ça donne une force. Après, quand on reste, on se dit, mais voilà, ça vaut le coup de continuer à avancer, même s'il y a des épreuves. Dans l'Écriture sainte, on voit combien l'Esprit Saint travaille le cœur des personnes âgées. Et ce qui est très touchant quand le Seigneur parle à Abraham, c'est qu'il lui dit au début, « Sois une bénédiction ». Et profondément, la vocation de ceux qui prennent de l'âge, eh bien, c'est d'être une bénédiction pour leur entourage, une bénédiction pour l'Église, une bénédiction pour le monde. Il y a vraiment un message d'espérance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bénédiction ? C'est d'être une bonne parole. Dieu nous bénit, il dit du bien de nous. Et nous, à notre tour, on peut dire du bien de Dieu, on peut dire du bien des autres, en apprenant à voir le bon de chacun. Et puis, notre vie, parce qu'on se donne dans l'amour à Dieu et au prochain, eh bien, on a envie de se mettre au service les uns des autres, eh bien, à ce moment-là, on rayonne, quoi. Et les autres disent « Ah, mais c'est une vraie bénédiction, cette personne est une vraie bénédiction », vous voyez. Et ça, c'est un cadeau que le bon Dieu nous fait quand l'âge avance. Il y a une grâce particulière de ceux dont l'âge avance et qui sont porteurs de bénédictions autour d'eux. Alors la mission Emmanuel est née, est née, si je peux dire, dans les suites de ce congrès à Rome en janvier 2020, qui était très lumineux pour lequel on a vu beaucoup d'éléments qui étaient en écho avec ce que nous vivons dans la grâce de la communauté de l'Emmanuel. Voilà, notamment, il y avait quatre axes qui nous ont touchés. C'était l'aspect de l'importance de, quand on prend de l'âge, de s'enraciner dans l'union à Dieu, dans la prière, dans l'adoration, dans la méditation de la parole de Dieu, et notamment de comment vivre cette période de la vie à la lumière de ce que le Seigneur nous exprime dans sa parole, et notamment à l'écoute de l'Esprit-Saint. Ça peut être l'occasion aussi de vivre une effusion de l'Esprit pour ceux qui ne l'ont jamais vécu, ou de revivre une nouvelle foi, qui est un renouvellement des grâces de son baptême ou de sa confirmation. Donc un aspect d'enracinement en Dieu qui est vraiment le socle, qui est la clé, la base.
quand on a vécu des choses difficiles et on a besoin dans cette union à Dieu de lui déposer aussi nos épreuves et de faire l'expérience de sa compassion, de sa miséricorde. Mais là, en fait, ça nous ouvre le cœur à toutes les détresses qui sont autour de nous et nous-mêmes, on se met à avoir le désir de rejoindre, de dire bah, « celui-là, il a vécu telle épreuve, il a perdu son mari comme je l'ai perdu, j'ai envie de l'écouter et puis je me rends compte que je peux lui dire quand même des choses qui l'aident à mieux vivre. » Voilà. Et donc, il y a une compassion qui s'exprime. Et puis, une troisième dimension que j'ai trouvée extraordinaire dans ce congrès, une intervenante devait parler de comment accompagner spirituellement ceux qui vieillissent. Et elle a changé le sujet. Elle a dit, moi je vais surtout vous parler comment rester acteur de la mission quand on vieillit. Parce que si on a à cœur de témoigner des merveilles que Dieu a fait dans notre vie, et c'est encore possible parfois même sur son lit de mort, si on a à cœur cela, eh bien, on trouve les moyens d'avoir un enracinement spirituel et les moyens spirituels qui vont nous aider. On va nourrir notre foi par la prière, on va trouver des moyens. Mais ce qu'il faut, c'est de garder ce désir de témoigner de l'amour de Dieu autour de nous, d'évangéliser. Voilà. Et donc, j'ai trouvé ça très lumineux. Voilà, parce que quelque part, il ne nous faut pas être comme des assistés, mais il nous faut prendre notre vie à bras le corps et se dire qu'on a une mission et le Seigneur nous la donne. Et la quatrième dimension, c'est l'aspect intergénérationnel. Au fond, c'est un fruit de la Pentecôte. À la Pentecôte, on voit que jeunes et vieux se réjouissent ensemble. On l'a tellement vécu dans la communauté de l'Emmanuel, et on le voit dans les rassemblements comme ici à Paray-le-Monial, on voit jeunes et vieux qui prient ensemble, qui louent ensemble, qui se réjouissent ensemble. Voilà. Eh bien, quand jeunes et vieux se rassemblent, eh bien, c'est un signe que l'Esprit est là au milieu de nous. Pendant le congrès, beaucoup d'interventions ont été faites sur les liens intergénérationnels. Et le pape François insiste beaucoup sur l'importance de tisser des liens entre les générations. Et son intuition profonde, c'est que plus jeunes et vieux se réjouissent ensemble, plus c'est un signe dont le monde a besoin et ça féconde, si vous voulez, la mission de l'Église. C'est un signe fort dont le monde a besoin aujourd'hui. La mission Emmanuel Aîné organise donc plusieurs propositions. D'abord, il y a des sessions pour les jeunes retraités ou les pré-retraités pour justement bien vivre ce passage à la retraite, en prenant en compte l'aspect de changement de vie, de relecture et d'ouverture à ce que le Seigneur peut proposer maintenant de vivre. On donne aussi l'occasion de vivre l'effusion de l'Esprit pour ceux qui ne l'ont jamais vécu. Et puis, pour les couples, il y a un parcours spécifique pour que ce passage se vive le mieux possible dans la vie conjugale. Il y a aussi des sessions pour les retraités actifs, je dirais quel que soit l'âge, qui permet aussi de découvrir un peu mieux ce qui peut être vécu à cette époque de l'existence. L'Écriture dit que même dans la vieillesse, ils porteront du fruit. Et il y a une fécondité de l'âge et ces sessions permettent de le découvrir. Nous organisons aussi dans les paroisses des parcours bibliques sur les aînés dans la foi pour plonger davantage dans l'Écriture sainte. C'est des parcours mensuels sous forme d'une matinée et qui permet de lire ensemble la parole de Dieu, d'avoir des enseignements sur des figures bibliques qui restent attentives à l'Esprit Saint alors que l'âge avance. Voilà. Et puis nous organisons aussi des événements pour les grands-parents pour réfléchir à leur mission de grands-parents.